Un tribunal algérien a emprisonné mardi un journaliste et un activiste pour saper le moral de l'armée et avoir violé l'unité nationale, a déclaré un panel de défense des détenus. Dans un communiqué, le Comité national pour la libération des détenus a déclaré qu'un tribunal de la ville d'Oran, ouest de l'Algérie, avait condamné le journaliste et militant Sebouddour à une peine de prison provisoire quelques jours après son arrestation. Le comité n'a pas précisé les accusations portées contre lui. Bouddour travaille pour des sites d'information et est membre de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, une organisation indépendante. L'Algérie a assisté à des manifestations de masse hebdomadaires contre les opposants à l'élection présidentielle du 12 décembre, refusant de tenir des élections, certains alliés de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika restant au pouvoir, affirmant qu'il ne pouvait être ni libre ni juste. Les autorités considèrent les élections présidentielles comme le seul moyen de mettre fin à une crise politique provoquée par la démission du président Abdelaziz Bouteflika en avril sous la pression de la rue.